Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le monde de Sky à l'occasion de Skyfest 2024 pour découvrir la galerie d'histoire de Sky. Pour s'y rendre, on va passer par le village Volière et on va devoir s'installer dans un portail qui va nous donner accès à Skyfest 2024. Une fois qu'on est dans le cercle, on a une petite cinématique qui nous montre un à un les portails se fermer, sauf ceux dont on va pouvoir avoir accès, et on va voir que ces portails-là s'appellent plus l'île de l'aube, la forêt cachée ou encore l'œil d'Éden, mais bien galerie d'histoire de Sky, galerie d'art de Sky et le cinéma Skyfest. Et donc aujourd'hui, on va partir à la découverte de la galerie d'histoire de Sky. Une fois qu'on est entré dans la galerie, c'est comme si on passait par le côté un petit peu développeur du jeu et on voit la carte sous un angle qu'on n'a jamais vu avant. Et donc on va entrer dans un petit parcours. Pour commencer le parcours, vous allez vous diriger vers le bloc lumineux et vous allez cliquer dessus. Alors vous allez avoir plusieurs choses dans ce tour. La première, ça va être des affichages textuels. Avec ces affichages, vous allez en apprendre un petit peu plus sur le jeu, et ensuite on a des petites cinématiques qui vont nous montrer des blocs lumineux, des sortes de petits diamants lumineux. Et une fois qu'on s'approche de ces diamants lumineux, ça va nous afficher des projections qui nous montrent donc des designs et avec un petit texte explicatif pour nous montrer comment le jeu a évolué. Et sans plus attendre, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Touché par la reconnaissance du jeu Journeys qui a été élu jeu de l'année et aussi par sa capacité à pouvoir connecter avec les joueurs du monde entier, le studio a cherché à s'étendre sur de nouveaux thèmes comme par exemple le thème de la gratitude et de la communauté pour leur nouveau projet. Et ça a été le début pour justement s'étendre sur les plateformes mobiles et pouvoir toucher une audience plus grande. Et donc ils ont développé leur titre autopublié Sky. Durant la première année de développement, les studios ont itéré à travers l'exploration et aussi des découvertes ludiques, le saut dans le développement mobile, le jeu gratuit et aussi l'autopublication d'un jeu qui pouvait être fait en live a été un défi pour les équipes et a donc étendu le calendrier de production.
Fin 2016, trois images distinctes ont été teasées avec le slogan « Un jeu à propos de données ». Pendant l'automne 2017, Sky a été officiellement dévoilé pour l'événement spécial d'Apple à Cupertino en Californie et il a débuté sur l'App Store pour les iPhones et les iPads. Le jeu est ensuite allé dans une bêta testing qui était donc fermée jusqu'en 2019 et il a ensuite été sorti le 18 juillet. Un petit secret, le studio s'est lié en jouant au ping-pong, en jouant aux jeux vidéo, en s'offrant des vraies bougies de cire et en faisant des séjours de recherche à Disneyland. En 2020, Sky a sorti 4 nouvelles saisons aventures ainsi que son lancement sur Google Play Store. Un autre petit secret, deux de ces saisons auraient pu sortir sous des noms différents, mais est-ce que vous pouvez deviner de quelle saison il s'agit ? En juillet 2020, le jeu a célébré son premier anniversaire, c'est aussi le moment où le monde a été gravement impacté par la pandémie de Covid-19. En plus des saisons aventures en 2021, Sky s'est vu agrandir à travers le royaume avec des nouvelles caractéristiques, des histoires plus profondes, plus de dynamisme multiplayer et aussi un gameplay unique qui a été introduit.
un secret, dans la saison du Petit Prince, la rose des poèmes ne faisait pas partie au départ du narratif, donc de l'écriture et du visuel. Le fait de l'inclure a été ajouté à moitié dans la production et a ramené plus de profondeur à la saison. Le savez-vous, dans la saison des rêves, certains des personnages qui ont été brainstormés, qui auraient pu être inclus dans la saison, auraient été le propriétaire d'un café, un performeur qui est mangeur de feu et un harpiste. En 2021, l'exposition The Smithsonian Futures et l'événement Barbican Virtual Realms ont montré Sky et That Games Company, ils ont montré leur visuel qui était créatif aux invités qui étaient présents. En 2022, Sky s'est lancé sur la Sony PlayStation et a donc développé la communauté Sky. Pendant l'année, de nouvelles saisons ont été introduites avec des capacités pour les nouveaux joueurs et le studio a annoncé qu'ils étaient en production d'un projet d'animation Sky. Un secret, les équipes ont inauguré l'événement Les Assemblées de Sky à Long Beach en Californie et là-bas les enfants de Sky ont pu faire la fête, se rencontrer pour jouer en personne et aussi créer des nouvelles amitiés pour l'événement. Sky s'est agrandi et donc aussi le studio de développement ainsi que les équipes de publication, tout ça dans le but de faire évoluer le jeu et aussi ses partenariats. Grâce au soutien des joueurs, l'équipe, avec sa collaboration avec le projet Trevor, sont entrés dans leur deuxième année et ont pu soulever plus de 680 000 dollars de fonds. L'équipe de Sky et That Game Company se sont concentrés à innover pour leur quatrième anniversaire. Quatre nouvelles saisons ont été développées et sont sorties cette année. Depuis 2021, la communauté Sky a ramassé plus de 1,84 million de dollars pour justement la protection des océans. Leur mission est de faire des recherches, d'extraire et de contrôler la pollution plastique dans les océans et dans les rivières en général. Sky a cherché à avoir un nouveau record du monde dans le Guinness pour le plus d'utilisateurs dans un concert thémé dans un monde virtuel pendant le temps à la Gamescom. Sky va honorer son cinquième anniversaire avec classe puisque le studio va organiser un événement de 2 jours à Tokyo au Japon. Et les joueurs internationaux vont les aider en jeu à célébrer cet anniversaire aussi. Thank you.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine fois dans le monde de Skye.